Magnifique! Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette belle vidéo? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » avec le petit pouce ou vous abonner sur notre page YouTube pour recevoir toutes nos conférences en avant-première. Vous venez de voir, apercevoir juste au-dessus de moi, je vous présente Nana qui est à ma droite, accompagnée de Yuli qui est juste à sa gauche également. Et donc, j'ai l'honneur de vous présenter également Nicolas. Voilà, ce sont trois belles personnes. Alors, ils sont basés... Alors, Nicolas, lui, est basé en France, hein, pour le moment, même s'il séjourne très souvent sur les Cyclades, et qui est donc un grand spécialiste de la Grèce. Et donc, Nana et Yuli, qui sont directement basés à Athènes pour vous. Et oui, on les a en direct live pour vous. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat, posez toutes vos questions, on est à votre disposition. Nicolas, je vais te laisser donc la parole pour que tu nous présentes la Grèce, voilà. Selon toi, parle-nous un petit peu de ce beau pays, fais-nous rêver sur ces belles Cyclades. Merci Lucas, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler un petit peu de la Grèce de manière générale avant que Nana et Julie vous parlent un petit peu plus précisément des Cyclades par la suite. Donc un voyage en Grèce, qu'est-ce que c'est? C'est aussi aller à la rencontre des héros et des sites dont les noms sont tous dans nos mémoires, puisqu'on en a tous entendu parler lorsque nous étions enfants, lorsqu'à l'école nous apprenions la mythologie grecque. Et effectivement, c'est ce qui fait que dans notre inconscient aujourd'hui, nous avons beaucoup de noms et beaucoup de villes et beaucoup de sites dont on va parler qui vont effectivement résonner dans notre inconscient. Dans ce pays, au carrefour de la Méditerranée, où se mêlent l'Antiquité, le monde byzantin, l'histoire moderne, c'est un pays qui est très grand, qui s'étend de Corfou au large de l'Albanie jusqu'à Rhodes, au large de la Turquie, du nord au sud de la Macédoine jusqu'à la Crète, au milieu de la Méditerranée. La mer y est bleue et douce, les plages y sont magnifiques et surtout l'hospitalité des Grecs est un véritable art de vivre qui permet effectivement d'apprécier d'autant plus cette destination. La Grèce aujourd'hui fait partie de l'Europe, bien évidemment. Elle fait partie de la zone euro, elle fait partie également de l'espace Schengen, donc ça implique beaucoup de facilité pour y voyager, puisque lorsque l'on part en Grèce, nous sommes à 3 heures d'avion de Paris lorsque nous nous rendons à Athènes et à 3h30 d'avion lorsque nous nous rendons à Santorin dans les Cyclades, au départ de Paris toujours. Il existe aujourd'hui, de toute façon, énormément de possibilités en termes de dessertes aériennes pour pouvoir arriver en Grèce. Et il y a la possibilité également d'arriver en Grèce par les voies maritimes, bien évidemment, que ce soit en croisière ou par l'intermédiaire de ferries. C'est des choses qui peuvent se faire également. Aujourd'hui, nous avons un décalage horaire de 1 heure avec Athènes. Donc, il est là-bas 11h11, très précisément. Et on a également le plaisir en Grèce de pouvoir goûter une des meilleures gastronomies méditerranéennes avec une richesse de produits, notamment au niveau des laits de brebis, des olives, etc., etc., qui nous permet de passer des moments très agréables. Et rien ne vaudra un moment de convivialité à partager un déjeuner dans une taverne grecque avec toute l'authenticité que l'on pourra y retrouver. Je vous invite d'ailleurs à le faire, que ce soit si un jour vous avez l'opportunité d'aller à Athènes ou même dans les Cyclades à travers le voyage que l'on va vous décrire par la suite. Je vais vous parler un petit peu de la Grèce de manière générale avec quelques images fortes pour vous planter un petit peu le décor. Donc, Kalimera, déjà, bonjour en grec. Là, vous avez sur cette photo Athènes, la capitale avec sa célèbre acropole, également le quartier de Plaka, qui est très connu, une ville chargée d'histoire avec ses monuments, avec ses petites placettes charmantes et qui vous permettra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer des moments très agréables tout en authenticité et en découverte dans une ville qui est vraiment à pratiquer et vraiment à faire de manière générale. Nous avons effectivement la possibilité de vous proposer de découvrir cette ville qui est une cité éternelle. On a à proximité effectivement d'Athènes également pas mal de beaux sites qui sont chargés d'histoire, de l'Antiquité. On a également des images qui frappent notre inconscient. On a tous vu effectivement ces couvents des météores qui sont positionnés sur leurs pitons rocheux, des monastères qui sont assez vertigineux et impressionnants. Donc là, on n'est pas très loin d'Athènes. Ce sont des excursions, par exemple, qu'on peut réaliser à la journée avec plaisir et ça se fait très bien. C'est une image qui est vraiment marquante de la Grèce. On a également
La possibilité de se promener du côté d'Olympie. Olympie qui est le berceau de l'olympisme, comme son nom l'indique, où ont été créés les premiers Jeux olympiques. Donc c'est effectivement un symbole total de la Grèce antique. On est également à proximité d'Athènes, sur la partie continentale de la Grèce. Tu peux y aller, Lucas, vas-y. Donc on a la possibilité effectivement de découvrir énormément de richesses, on a les oracles de Delphes également, on a la possibilité de découvrir une multitude de sites dans une des distances qui sont tout à fait réalisables et honnêtes, ce qui nous permet effectivement d'avoir des voyages très agréables et qui nous permettent de louvoyer, de découvrir tranquillement effectivement une multitude, comme je vous l'ai dit, de sites antiques. On a également le canal de Corinthe, ce célèbre canal creusé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et qui sépare le Péloponnèse de la Grèce continentale, donc qui est assez impressionnant. Ça permet effectivement de raccourcir les voies maritimes. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, la taille des bateaux fait qu'on ne peut plus rentrer effectivement avec n'importe quel bateau, mais c'est quelque chose qui a permis de développer le commerce à une certaine époque. Nous avons effectivement choisi aujourd'hui de vous parler des Cyclades. Donc, on parlait tout à l'heure effectivement de 56 îles. Donc, 56 îles, grandes îles. Il y en a beaucoup plus, bien évidemment, puisque si on compte les îlots, les petites îles, les villes non habitées, etc., etc., la Grèce compte plus de 2000 îles. Donc là, on va parler effectivement des Cyclades et de cette région qui est assez merveilleuse. Une superbe région qui nous permet une évasion... où les maisons, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, avec des maisons blanchies au volet bleu, des moulins à vent, des petites ruelles charmantes, des plages, des monastères, et qui va vous permettre de découvrir également une région où est très présente toute la mythologie, puisque vous allez entendre parler d'Atlantide, vous allez entendre parler d'Apollon, mais pour tout cela, c'est Nana et c'est Julie qui parleront beaucoup mieux de tout ça avec vous et qui vont donc vous faire un déroulé de ce petit programme que nous vous proposons dans les Cyclades d'île en île. Et je vais donc laisser la parole à Nana. Merci Lucas, merci Nicolas. Bonjour, je suis Nana, responsable de l'agence en Grèce, basée à Athènes. Je vais donner la parole à notre guide professionnel qui est Julie Triandafilou et qui va vous faire donc voyager dans les Cyclades, ces belles îles donc de Grèce. Et j'espère avoir l'occasion de vous voir très bientôt en Grèce. Merci et bon voyage dans les Cyclades. Bonjour de ma part aussi. Alors bonjour Yuli, merci de nous rejoindre, c'est super, merci en tout cas, je suis très très content de te voir là. Ce que je te propose juste avant que tu prennes la parole, on va passer une petite vidéo pour nos membres Rive Gauche, c'est parti.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette belle vidéo? Ça fait rêver, hein? Ça, c'est fait maison, voilà. C'est pour vous, membres Rive Gauche. Un peu de dépaysement. On est dans les Cyclades. On est lancé. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Yuli, notre belle Yuli en direct d'Athènes, qui va vous faire rêver. N'hésitez pas à lui poser les questions. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. C'est parti, on est là pour passer un bon moment. Yuli, c'est à toi. Merci, Yulka. Calimera, calimera à tous. Bonjour en grec. Je vais me présenter aussi. Je m'appelle Yuli Triadafilou et je suis guide conférencière en Grèce. Je suis grecque, bien sûr. Les guides conférenciers grecs travaillent, nous travaillons dans tout le pays en guidant des circuits différents. Pour être guide conférencier en Grèce, il faut faire une formation qui dure pendant 2 ans et qui est assurée par l'école des guides, l'école nationale des guides. Nous travaillons indépendants dans le sens qu'on collabore avec plusieurs agences différentes. Et moi, je guide très souvent les Cyclades et j'ai plusieurs fois guidé les groupes de l'agence Rive Gauche aux Cyclades. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et donc, je suis ici pour vous présenter les Cyclades et pour vous présenter aussi le programme de l'agence Rive Gauche aux Cyclades. C'est vrai que les Cyclades, la découverte des îles des Cyclades, c'est un voyage qui fait rêver. C'est un voyage avec de très fortes impressions. Et le bleu de la mer, le ciel qui est presque toujours dégagé, en contraste avec la blancheur éblouissante de petites maisons cubiques au volet bleu, par exemple, et la polychromie de port avec les caïques, le bateau de pêche traditionnel, le dauphin et les mouettes qui on arrive à voir quelquefois en faisant de petites traversées maritimes entre les îles. La brise maritime, l'intensité de la lumière, c'est tout de facteurs qui donnent des impressions très fortes lors du voyage. Mais en même temps, c'est un voyage qui est très enrichissant du point de vue culturel. Et à mon avis, c'est un voyage où les visiteurs apprend et comprend quelque chose de la quintessence de la Grèce, qui est un pays maritime. Nous pourrions dire que la mer est un élément fondamental pour la Grèce et qu'elle a forgé le caractère du peuple grec. Les Cyclades, alors, c'est un ensemble d'îles autour de 200 îles, si on compte le petit îlot inhabité, qui se trouve dans la partie sud de la mer Égée. La mer Égée, c'est un espace maritime fondamental pour la Grèce. Elle fait partie de la Méditerranée, bien sûr. Et les Cyclades se trouvent entre Athènes, au sud d'Athènes et de l'île de Bé, et au nord de la Crète. La Crète, c'est la grande île grecque, la plus grande île grecque, au sud de la mer Égée. Les îles en question forment un pont, pratiquement, ensemble avec d'autres îles qui existent dans la mer Égée, entre l'Europe, la Grèce continentale, et l'Asie, la partie méditerranéenne de la Turquie actuellement. Elle se trouve sur une route maritime très importante, la route qui descend de la mer Noire vers le reste de la Méditerranée, en traversant la mer Égée. Donc, cette position géographique vraiment très centrale a défini l'histoire des îles à travers les siècles de leur parcours historique. Parmi les Cyclades, il y a des îles plutôt grandes, comme par exemple Naxos, la plus grande île des Cyclades, qui a une superficie de 430 km² et une population d'environ 20 000 habitants. Et il y a aussi des îles tout petites, parmi les îles habitées, je veux dire bien sûr, comme la petite Héraclea, qui se trouve au sud de Naxos. Elle fait partie de petites Cyclades et elle a une superficie de 18 seuls km² et quelques 140 habitants.
Et les Cyclades ont été appelées Cyclades probablement parce qu'elles occupent une superficie circulaire, on dirait, dont la mer Égée, Cyclos. Cyclades est dérivé du mot Cyclos qui signifie les cercles en grec. Elles ne sont pas dispersées, hein? Elles forment un espace circulaire, les îles en question. Parmi les Cyclades, il y a des îles volcaniques. On ne va pas entrer trop de détails concernant l'origine géologique des îles dans cette conférence. On apprendra beaucoup plus de choses quand on fait la visite. Mais il y a des îles volcaniques, surtout dans la partie sud des Cyclades, et deux volcans considérés comme actifs, le volcan de Milo. Vous connaissez Aphrodite, la Vénus de Milo, et le volcan de Saint-Orin, le grand volcan de la mer Égée, Saint-Orin. Mais la plupart des îles des Cyclades ne sont pas volcaniques, et dont la plupart des îles en question, ce qui prédomine dans leur sol, c'est des roches d'origine métamorphique, comme le marbre, les schistes, les gneisses, etc. Le marbre est de grande importance alors aux îles comme une richesse au niveau de minerais. À Naxos, il y a toujours de grandes carrières de marbre jusqu'à nos jours qui constituent qui ont une valeur économique pour l'île jusqu'à aujourd'hui. Et pendant l'Antiquité, le marbre blanc de Paros, c'est un type de marbre dont on ne fait plus l'extraction, mais qui avait une très grande renommée pendant l'Antiquité, à cause, grâce à sa blancheur, à la finesse de son grain et à sa translucidité, sa transparence. Et nous pourrions faire un petit panorama historique des îles sans que je vous fatigue trop, mais que vous ayez, pour que vous ayez un schéma pour bien suivre le fil lors de la présentation du programme. Et pour faire ça, nous pourrions dire que les Cyclades commencent à être habitées déjà à l'époque préhistorique, au néolithique, au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Elles ont connu un premier grand développement à l'âge du bronze, au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Au cours du 1er millénaire avant notre ère, il y a eu des cités antiques riches et puissantes aux Cyclades, surtout lors de la période archaïque et classique. Par exemple, la cité antique de Naxos, la cité antique de Paros. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est les Romains qui conquièrent les îles, qui feront partie de l'Empire romain ensuite, et qui feront partie aussi de l'Empire romain oriental, qui avait comme capitale Constantinople, de l'Empire byzantin, entre le IVe siècle et le XIIIe siècle. Ensuite, il y a eu des conquérants, par exemple les Vénitiens au XIIIe siècle, les Ottomans au XVIe siècle, les Turcs, et les Cyclades ont été libérées des Ottomans par la Révolution grecque. Les îles ont participé à la Révolution contre les Ottomans qui commence en 1821 et qui mène en 1830 à la fondation de l'État grec indépendant. Et les Cyclades en font partie depuis le début, depuis 1830. Mais pour comprendre les îles, il faut surtout penser que le mot-clé pour comprendre les Cyclades, c'est la mer. C'est de la mer que provenait la richesse pour les habitants et les nouvelles idées aussi au cours des siècles de leur histoire, dans le sens surtout du commerce maritime. Les habitants des Cyclades, les insulaires, ont été des marins avec beaucoup d'expérience qui ont pu participer au commerce, au transport de marchandises dans l'espace méditerranéen et s'enrichir au cours des siècles. Et je vais vous donner deux petits exemples de l'histoire de Saint-Orin sur ce sujet. Et
à Saint-Orens, au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, et il y avait une ville qui a été révélée par une fouille au XXe siècle, c'est le site de Akrotiri. Selon la fouille, la ville en question était un port cosmopolite du XVIIe avant Jésus-Christ, XVIIe siècle, avec un très haut niveau de vie. Une fresque qui a été découverte dans les maisons de la ville représente les bateaux de la flotte de Saint-Orens. Et il paraît que dans la ville, il y avait un grand nombre de capitaines avec des bateaux qui étaient des grands voiliers et qui avaient une longueur jusqu'à 70 mètres et qui faisaient des grands voyages dans la Méditerranée pour transporter des marchandises. Par exemple, l'huile d'olive de la Crète minoenne vers l'Égypte en s'enrichissant. Beaucoup de siècles plus tard, toujours à Saint-Orens, au XIXe siècle, il y aura un grand nombre d'armateurs, de capitaines, qui transportaient avec leurs bateaux le blé et les céréales de la mer Noire et le coton de l'Égypte vers le port de l'Europe ouest et nord, c'est-à-dire vers l'Italie, la France, l'Angleterre. Alors, la mer comme une source de richesse, les bateaux, leur importance, tout cela fait partie des sujets que les guides vont beaucoup aborder lors du voyage aux Cyclades. Et ce n'est pas par hasard, comme vous comprenez, que les armateurs grecs sont toujours très puissants jusqu'à nos jours. Les racines de cette histoire se trouvent des siècles avant. Actuellement, bien sûr, les îles se basent surtout au tourisme. C'est la plus grande source de revenus pour les Cyclades, le tourisme qui commence à se développer aux années 60 et qui actuellement engendre jusqu'à 50% du PIB au niveau local aux îles les plus développées. Et aux îles qui ne sont pas aussi développées du point de vue touristique, il y a toujours des activités du secteur primaire, par exemple l'agriculture, l'élevage, surtout la fromagerie, qui continue à être d'importance. Voilà, donc c'était une petite introduction. Et d'ici, on va maintenant passer à la présentation du programme de l'agence Rive Gauche aux Cyclades, qui commence par un vol direct qui vous amène à l'aéroport de Saint-Orens. Et comme ça, vous évitez de faire une longue traversée en bateau du Pirée vers Saint-Orens, qui se trouve au sud des Cyclades. Le même jour, vous rencontrez votre guide à Saint-Orens et vous partez en bateau pour arriver à Paros dans l'après-midi et c'est là où vous vous installez à l'hôtel. Alors, le deuxième jour du programme, c'est le jour qui est dédié à la découverte de Paros. Voilà, donc Paros, et vous avez ici une vue panoramique. C'est une île qui est très typique, nous pourrions dire, et qui constitue une très bonne introduction pour les voyages. La découverte de Paros, elle s'est faite en journée complète d'excursion et nous avons un bus à notre disposition qui fait pour nous de petits trajets entre les villages et les visites différentes qu'on fait. Paros, elle a une superficie de 196 km² et autour de 15 000 habitants. C'est une île qui a une tranquillité et une douceur bien particulières. Elle a un petit massif montagneux, par exemple, avec des flancs qui descendent doucement vers la côte. Et elle reste très authentique malgré son développement touristique. Là, le programme commence normalement avec, ici vous voyez l'hôtel Holiday Inn, l'hôtel où vous vous installez à Paros. On peut avancer au diapo, merci.
Il se trouve au bord de la mer, dans la région de Punta, au sud, sud-ouest de Paros. Bien sûr, c'est pour donner un exemple. L'hôtel, on ne va pas beaucoup focaliser aux hôtels, on va plutôt focaliser au programme dans cette présentation. Alors, Lucas, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer un peu dans les diapos. Voilà. Et notre programme, merci, commence à Paritia, qui est la ville principale et le port de Paros, le port principal de Paros. C'est une petite ville tout pittoresque, avec de petites maisons cubiques blanches éblouissantes. Mais le grand moment de la visite à Paritia, vous le voyez dans le diapo précédent, et c'est la visite de la grande église, voilà, monumentale église de la Vierge, Hecato da Piani, qui est un monument de la période byzantine, du 6e siècle après Jésus-Christ. La visite de Hecato da Piani permet au guide de vous parler de la période byzantine, mais aussi de visiter avec vous une église orthodoxe, parce que cette église, c'est un lieu de culte très important pour les orthodoxes de Paros. En Grèce, on a une majorité de chrétiens orthodoxes, au Cyclade aussi, mais au Cyclade, il y a aussi une minorité de catholiques. Donc, Hecato da Piani, la Vierge Hecato da Piani, et c'est comme ça que commence notre visite. Et le programme comprend aussi, quand même, la visite de deux villages encore. Et le village de Naoussa, qui a un petit port tout pittoresque avec de caïques et de bateaux de pêche traditionnels en toute polychromie et des barques, vraiment, c'est magnifique, avec des quais en marbre. Et le village de Lefkès, qui est sur les diapos suivants et qui se trouve sur le petit massif montagneux de Paros. Et c'est un village authentique avec de très anciennes maisons. Il y en a qui datent même du XVIIe siècle et avec une impressionnante église de la Sainte Trinité qui a deux clochers en marbre magnifiques qui sont une œuvre de la sculpture en marbre des Cyclades au XIXe siècle. Ce type de visite, la visite de villages pittoresques, nous permet de découvrir plusieurs aspects de l'histoire et des traditions des Cyclades. Et c'est une journée où vous avez le temps, parce que vous restez sur la même île, vous faites de petits trajets en bus, et le guide a le temps, au calme, de vous parler de l'histoire des îles, de découvrir avec vous l'architecture traditionnelle, et par exemple d'expliquer pourquoi le mur sont peints avec de la chaux, d'expliquer comment les gens s'alimentaient avec de l'eau au passé. Ils avaient des citernes sous les maisons qui concentraient l'eau pluviale, par exemple. Et ça donne aussi l'opportunité d'avoir un peu de temps libre dans les villages, quelques des villages qu'on visite, chose qui vous permettra de vous perdre dans l'eau labyrintheuse, d'observer la vie quotidienne. Paros reste très authentique, d'entrer par exemple dans la boulangerie pour acheter les gâteaux typiques à la base des noix et d'amandes, de voir les enfants qui sortent de l'école pour rentrer chez eux à la fin de la journée de l'école et d'avoir une expérience authentique. Et le programme de Paros comprend aussi une dégustation dans un domaine viticole important. Et c'est important, un sujet important pour les Cyclades, la viticulture, qui commence ici aux îles, déjà au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et il y a des vins d'appellation d'origine contrôlée, réputés surtout à Saint-Orens et à Paros. On va alors déguster du vin rouge et du vin blanc, c'est une expérience très intéressante, les vins locaux.
Et un autre élément du programme, c'est la visite du musée des miniatures qui a été créé par une artiste populaire de Paroche qui, avec beaucoup de passion, a créé des maquettes et des miniatures des monuments principaux des Cyclades et des bateaux des périodes historiques différentes et qui sont exposés dans un jardin tout fleuri. Et ça ajoute à l'expérience. C'est ça donc le programme de Paroche et la découverte de Paroche. Les jours suivants est dédié à la découverte de deux îles différentes, l'île de Delos, où on plonge dans l'histoire, c'est le grand site archéologique des Cyclades, et l'île de Mykonos, qui est la plus cosmopolite parmi les îles grecques, nous pourrions dire. Et cette journée, c'est une excursion en journée complète, des journées complètes, et mais vraiment complète, pour laquelle il faut beaucoup d'énergie. Et ça s'est fait en bateau d'excursion. Le bateau part de Paroche pour mettre 1h15 de traversée environ et arriver direct à Delos. Delos est inhabitée actuellement, mais bien sûr, elle était habitée pendant l'Antiquité. Et elle avait une très grande importance en plus. L'île est un immense site archéologique où la fouille s'est faite par l'école française d'Athènes déjà depuis la fin du XIXe siècle. Les anciens Grecs croyaient que à Delos sont nés les dieux Apollon, les dieux de la lumière pour les anciens Grecs, et sa sœur jumelle Artemis. Elle racontait en plus que les Cyclades s'appellent les Cyclades parce qu'elles forment un cercle autour de l'île sacrée de Delos. À Delos, il y avait alors un sanctuaire du dieu Apollon qui a fleuri pendant l'Antiquité, au cours du 1er millénaire avant Jésus-Christ, et surtout entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait aussi une cité antique, la cité de Delos, qui s'est transformée en un port cosmopolite, riche, un centre du commerce transitoire dans l'espace méditerranéen, entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Quand on fait la visite de Delos, alors on voit des maisons monumentales qui appartenaient aux commerçants d'antan, hein, commerçants très riches de l'Antiquité. Ici, vous avez une vue sur le temple de Isis. C'était une société cosmopolite à l'époque romaine. Et il n'y avait pas seulement des Grecs, mais aussi des Syriens, des Égyptiens. Il y avait plusieurs différents cultes, et pas seulement le culte d'Apollon à cette période-là, quand l'île s'est transformée en port cosmopolite de la Méditerranée. Alors, le sanctuaire d'Isis, la déesse égyptienne. Et on peut passer au diapo en se promenant, en suivant le diapo, en se promenant dans le site, on découvre aussi les vestiges du sanctuaire d'Apollon et la célèbre terrasse des lions. Ici, vous voyez les statues des lions en marbre qui étaient les gardiens symboliques du sanctuaire pendant l'Antiquité. Voilà, c'est une visite passionnante, vraiment très importante et il faut des chapeaux lors de la visite, mais il y a toujours une brise qui rafraîchit et qui diminue la température. Et après la visite de Delos, le bateau part pour Mykonos et il arrive à Mykonos en 30 minutes, c'est une petite distance. Mykonos, ça pourrait aller sans commentaire, parce que c'est une île célèbre, c'est une destination du jet set international, elle est connue pour sa vie nocturne très intense. Nous avons bien sûr notre repas prévu à Mykonos, et notre but, c'est de faire aussi une belle promenade. Ici, vous avez une panoramique sur Mykonos. C'est une des villes, la ville de Mykonos, c'est son port principal. C'est une des plus charmantes des Cyclades.
un labyrinthe de petites ruelles, maisons cubiques aux volets rouge, vert, bleu. Et notre promenade nous amène au quartier de la Petite Venise, où les maisons, voilà, en face, hein, vous voyez la Petite Venise, les maisons sur, presque sur la mer, hein, sur les rochers de la côte, et au moulin de Mykonos, qui sont probablement le plus photographiés des Cyclades. Je crois que les moulins sont dans le prochain diapo. Voilà. Et les moulins aux Cyclades font partie du pittoresque hein, des îles actuellement, mais c'était des moulins utilisés pour faire de la farine, hein, des céréales au passé, et pas seulement pour les habitants, mais aussi pour approvisionner les bateaux qui faisaient escale aux îles par des biscottes traditionnelles, hein, du pain pratiquement sec. Voilà, donc le moulin de Mykonos. Et jusqu'à ici, et je n'ai pas beaucoup parlé de mes nuits, et je ne veux pas le faire, mais ce que je pourrais dire globalement, c'est que quand on fait une excursion de journée complète, on a le déjeuner au cours de l'excursion. La plupart de fois, c'est donc de restaurants traditionnels, des tavernes traditionnelles, et c'est de menus inspirés de la cuisine grecque avec quelques spécialités locales aussi, comme par exemple les beignets de tomates à Saint-Oran. Voilà, petite parenthèse. Et maintenant, on passe à la journée suivante, qui est une journée libre sur Paros. Pour ceux parmi vous qui voudraient avoir un peu plus de liberté, qui voudraient par exemple faire la baignade, rentrer au village traditionnel, pittoresque, pour avoir plus de temps pour faire des achats, pour prendre un verre, ou même prendre le bac qui met un quart d'heure de Paros pour arriver à Antiparos, l'île à l'ouest de Paros, et pour faire une autre découverte. Mais sinon, il y a une excursion optionnelle qui se propose et qui pourrait se faire avec un nombre précis de participants, et c'est l'excursion pour la découverte des Naxos. Naxos, et quand je présente cette excursion, je dis toujours que c'est une excursion qui vaut la peine. Si vous avez envie de faire une autre découverte, encore une île. Et parce que Naxos est tout à fait différente par rapport aux autres îles du programme. Elle a un caractère sauvage et montagneux. Le plus haut sommet des Cyclades se trouve à Naxos. C'est la montagne Zas qui culmine à 1001 mètres de hauteur. Naxos est très authentique, surtout parce qu'elle ne se base pas entièrement au tourisme au niveau de son économie. Elle a toujours une agriculture développée. Par exemple, les pommes de terre délicieuses de Naxos sont bien réputées. Elle a de fromages magnifiques, un élevage vraiment très important, des brebis, chèvres et surtout, et du marbre en abondance et exploité, et de l'eumérie, une autre roche métamorphique d'origine qui est très dure et qui est utilisée comme abrasif. Donc, elle est riche, nous pourrions dire, Naxos, elle reste très vierge, hein, très authentique. Et ici, vous avez une vue la photo d'une église très caractéristique byzantine, une des églises byzantines de Naxos. Et le paysage de l'île est parsemé de monuments de l'époque byzantine, de l'époque médiévale en général. À Naxos, on arrive, voilà aussi une autre une tour de l'époque vénitienne. Naxos a été le siège du guichet vénitien de l'archipel, le siège des Vénitiens quand ils ont conquis les Cyclades après la quatrième croisade. Et il y a eu deux familles vénitiennes qui se sont installées aux îles et qui ont eu des fiefs
à partir du 13e siècle de notre ère. Voilà, donc il y a beaucoup de monuments de cette période-là à Naxos. Et à Naxos, le programme, voilà, c'est fait en bateau, bien sûr. Il est à 50 minutes de Paros. Naxos, c'est une journée complète en excursion. Quand on arrive à Naxos, au port, qui est aussi la ville principale de Naxos, déjà on aperçoit le monument que vous voyez sur les diapos, une énorme porte en marbre massif qui appartient à un temple du dieu Apollon qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Parce que la ville actuelle se trouve au même emplacement que la ville antique. Ça, c'est souvent le cas. Aux Cyclades, hein, que les mêmes lieux ont été habités dans deux périodes différentes. Et du temple, il n'y a presque rien de plus qui se conserve, parce que le reste a été réemployé dans des constructions qui ont eu lieu plus tard, plus à l'époque, par exemple, médiévale après. Alors, nous partons en promenade en arrivant à Naxos pour entrer dans les ruelles de la ville et pour monter vers le musée archéologique. C'est notre première visite. C'est un musée très intéressant qui, est, bien sûr, présente l'histoire et la civilisation de Naxos pendant l'Antiquité. Ensuite, nous prenons le bus, un bus qui fait un tour de l'île pour nous. Et le tour de l'île vise à vous faire découvrir les côtés sauvages du paysage de Naxos et avec des visites de deux villages différents, le village de Halki. Et on peut venir à l'arrière. Au diapo précédent, le village de Halki. On n'a pas une photo de ce village, mais on fait un arrêt. C'est sur une vallée verdoyante. Et vous faites la visite d'une distillerie et la dégustation d'une liqueur locale, la liqueur de cédra, qui s'est produite par la distillation de feuilles du cédratier, un agrume, une liqueur bien parfumée. Deuxième village à découvrir, c'est Apirantos, qui se trouve sur le massif montagneux de Naxos, à 550 mètres d'altitude, et c'est une expérience très authentique. Et en rentrant vers le port de Naxos pour reprendre le bateau, et on s'arrête aussi dans la région de Mélanès pour se promener vers l'espace d'une des carrières antiques de marbre de Naxos, où une statue qui représente un homme nu de manière monumentale, une statue dans le type du cou roche, a été abandonnée dans l'espace de la carrière pendant l'Antiquité, peut-être parce qu'elle a représenté une faille. Alors, une œuvre de la grande sculpture grecque antique, un cou roche. Voilà donc Naxos. On avance maintenant pour Saint-Orin. De Paros, le jour suivant, vous partez pour Saint-Orin en ferry. C'est 4 heures de traversée en ferry. Et vous arrivez tôt dans l'après-midi à Saint-Orin. Et les deux jours suivants, le jour de la traversée, il n'y a pas de visite. Mais les deux jours suivants, c'est des deux jours qui sont dédiés à la visite de Saint-Orin. Saint-Orin est complètement différente par rapport aux autres îles du programme parce que c'est un grand volcan, un volcan très impressionnant en plus. Alors, les jours 6 du programme, et le premier jour de la visite à Saint-Orin, et le programme comprend la visite de l'île elle-même, avec des arrêts et visites guidées à 3 villages différents. Ici, on a une vue panoramique. Est-ce qu'on peut avancer sur le diapo? On voit l'hôtel à Saint-Orin. Donc, est-ce qu'on peut... Merci, Lucas. Pour avancer encore un peu, comme ça on va arriver au premier village qu'on visite lors de notre programme.
qui est le village de Pyrgos, qui est perché sur le sommet d'une petite colline et qui offre un panorama sur Saint-Orin et aussi sur les vignobles très étendus qui sont une des caractéristiques de l'île volcanique de Saint-Orin. Après la découverte de Pyrgos, on avance pour découvrir Ia. Ia, vous voyez la photo de Ruelle, la burinteuse de Ia, qui se trouve dans le nord de Saint-Orin, sur le bord de la falaise volcanique. C'est vraiment le village carte postale. Saint-Orin est bien sûr est une destination touristique très connue au niveau mondial. Ça serait difficile à dire que quand on fait les visites de village, on ne trouve personne dans les ruelles. Mais en général, on essaye de ne pas visiter aux heures de pointe pour la croisière, si c'est possible, de faire un parcours différent pour être un peu plus au calme. Et malgré les grands développement touristique de l'île, et l'impression que Saint-Orin donne aux visiteurs reste toujours très sensationnelle. Ici, vous avez une vue sur Fira, qui est la troisième ville, le troisième village compris dans le programme de la visite à Saint-Orin. Excuse-moi de te couper, Yuli. Je crois qu'ici à Oya, il y a un superbe coucher de soleil qu'on peut voir justement de ce village. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce coucher du soleil justement? Sur le coucher du soleil à Oya, c'est vrai que c'est très célèbre. C'est vrai que c'est célèbre, hein, Oya, pour son coucher de soleil, surtout parce que la vue vers la mer est complètement dégagé, on dirait. Donc, on voit le soleil tomber dans la mer la plupart des fois. Il y a toujours, bien sûr, un très grand nombre de personnes qui arrivent en bus privé, en bus public, en voiture pour voir les couchers de soleil très célèbres de Ia. Et je crois, sinon vous pouvez me corriger, je crois que ça ne fait pas, je crois que dans notre programme, les couchers de soleil, selon la période de l'année, ça peut être vraiment très tard dans la journée, comme par exemple vers 20h au printemps, ou 19h, 18h30 en automne. Donc, je crois que dans notre programme, l'horaire de la visite, ce n'est pas vraiment l'horaire où on pourrait voir les couchers du soleil à Ia, surtout parce que le grand nombre de personnes qui visitent à cette heure de pointe, on dirait entre guillemets, pourrait rendre la visite compliquée, on va dire. D'accord, très bien. Donc voilà. Nous, on évite la foule et donc du coup, on se promène dans les petites ruelles. Et c'est absolument magnifique là ce qu'on voit. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur les photos. N'hésitez pas à écrire sur le chat. Moi, ça me fait rêver. Hein. Continue, Yuli, parce que tu nous fais rêver. Hein. D'accord, merci. Bon, voilà. Donc, Fira, sa caractéristique très impressionnante, c'est que Fira, qui est la ville principale de Saint-Orin et que vous voyez ici avec la cathédrale orthodoxe toute blanche sur la haute partie, elle se trouve sur une très haute partie de la falaise volcanique à 250 mètres. La falaise volcanique de Saint-Orin est bien grande, presque verticale, on dirait. Elle arrive à plus de 300 mètres sur quelques parties de l'île. Et Fira, avec cette position, offre un panorama sur la caldeira volcanique de Saint-Orin. Donc, c'est ça, la visite de l'île de Saint-Orin. Les distances sont très petites. Et c'est une île qui est plus petite par rapport à Paros et à Naxos. Elle a 76 km² de superficie et autour de 15 000 habitants. Donc, en réalité, si vous voulez rentrer à quelques de villages, même s'il y a des passionnés qui voudraient voir le coucher de soleil, il y a la possibilité d'y aller par un taxi ou par un autre moyen. Ça pourrait être compliqué si c'est la haute saison, quand même. Hein. Voilà.
Donc, et on passe à la vie, ça c'est une vie avec la caldeira volcanique. C'est quoi la caldeira volcanique de Santorin? C'est cet énorme espace hein, que vous voyez sur la photo. Et c'est une énorme dépression en réalité, et comme un vaste cratère, on dirait, qui a été créé quand les cônes volcaniques, et c'était peut-être une île circulaire, des milliers d'années à nos jours, et Santorin, mais les cônes volcaniques s'est effondré dans la mer par les grandes, très violentes éruptions du volcan à l'époque préhistorique. Alors, actuellement, il y a 3 îles volcaniques autour de cet espace dans lesquelles est entrée la mer aussi. Et donc, Santorin, Terracia et Aspromissi. Et c'est les îles autour de la caldeira volcanique avec des grandes falaises sur la côte qui donne vers la caldeira. Ici, vous avez une vue sur les îlots volcaniques plus récents qui existent au centre de la caldeira volcanique de Santorin. Et c'est 2 îlots volcaniques de lave plus récentes qui ont été créés par des éruptions plutôt modérées du volcan entre le 1er siècle de notre ère et 1950. Et 1950, c'est la dernière éruption. Il ne faut pas se faire de soucis, bien sûr, parce que c'est des petites éruptions. Et en plus, le volcan, il est bien observé. Est-ce qu'on peut venir sur les diapos précédents, Lucas? Merci. Donc, les derniers jours de la visite, c'est la croisière caldeira qui s'est faite en bateau, en bateau de visite, en bateau d'excursion. Et le bateau part du port de Santorin pour faire des petites traversées dans la caldeira. Il nous amène d'abord au grand îlot volcanique, Nea Carmeni, que vous voyez sur la photo, où il est possible de faire une randonnée sur un sentier volcanique pour monter vers le sommet de l'îlot volcanique à 127 mètres qui offre un panorama sur la caldeira et où il y a toujours des cratères où on peut voir des fumerolles qui dégagent du soufre. C'est là où on peut avoir la sensation d'une activité volcanique toujours présente. C'est une randonnée de 45 minutes pour monter, quelques 40 minutes pour descendre, et ça demande une bonne condition physique. Mais même pour ceux parmi vous qui pensent ou qui verront sur place que ça serait mieux de ne pas faire la randonnée, ou ça, vous devriez peut-être ne pas faire la randonnée en question, parce qu'il pourrait faire chaud aussi le jour en question. Et c'est toujours très agréable de rester à bord du bateau, prendre un café, prendre un soda, par exemple, prendre les plus belles photos du voyage, de ces paysages volcaniques incroyables, et éviter d'avoir du stress et de trop vous presser. Et ensuite, le bateau part de... du grand îlot volcanique et on peut avancer dans les diapos pour s'approcher du petit îlot volcanique Nepalea Kameni du port, c'est-à-dire de Saint-Nicolas. Vous voyez la petite église de Saint-Nicolas au port de Palea Kameni. Le bateau s'arrête un peu au large et donne du temps pour la baignade. Et en faisant la baignade, ceux qui voudraient faire la baignade, qui n'est pas obligatoire, et c'est possible de s'approcher de la côte. Au début on est c'est vraiment profond, on est un peu au large. Et après, c'est possible de s'approcher de la côte pour se baigner dans les eaux thermales ferrugineuses que vous voyez à gauche de la petite église, c'est la partie rouge qui est visible, les eaux rouges, ferrugineuses. Voilà, ces deux activités vraiment ne sont pas obligatoires. C'est possible, c'est à faire si vous avez une bonne condition physique. Mais ça reste toujours une agréable et impressionnante première partie de l'excursion.
Ensuite, le bateau continue parce que c'est une journée complète en excursion pour arriver à Terracia. Terracia, c'est une petite île au nord-ouest de Santorin. Elle est habitée, ici vous voyez le port Corfos de Terracia. Elle a 320 habitants. Il y a une ville en haut qui est plus grande que le port. Et nous, on reste au port pour manger. C'est là où notre menu est prévu. Et ensuite, on part en bateau toujours pour faire le tour de la caldeira, ce qui reste du tour de la caldeira, en s'approchant de la falaise volcanique de Santorin, et pour entrer à Santorin. Voilà. Donc, dernière phrase de ma part, je vous souhaite vraiment de faire le voyage en vous promettant que si vous le faites, vous allez tomber amoureux des Cyclades. C'est un voyage que les guides grecs, les guides conférenciers grecs, nous guidons très souvent. C'est une destination que nous connaissons profondément. Et toujours, malgré le nombre de fois qu'on a guidé, tous nous présentons les Cyclades avec beaucoup de passion. Voilà, c'est ça. Et le dernier jour, bien sûr, c'est le dernier. Merci. Merci Yuli, c'est... Oui, tu voulais ajouter le dernier jour, vas-y Yuli. Le dernier jour, bien sûr, c'est le jour du retour en France, par un vol direct de Saint-Laurent à Paris. Super.